Daniel, à table. Arrête-moi ce truc! Au lieu de rêver, tu ferais mieux de trouver un travail. S'il te plaît. Quoi? Je peux continuer à le nourrir pendant qu'il gâche sa vie. Il fait de la musique, c'est un artiste. Il pourrait en vivre. Il faut juste... Bon quoi? C'est à lui de prendre ses responsabilités. Un point, c'est tout. Un fainéant comme ça qui ne fait rien de sa vie. Ça ne peut pas continuer. Faut qu'on se sacrifie pour lui? Mais non! Jamais, jamais. Chez moi, pas ça. Eric, j'ai appris que les gardes du quartier se sont encore moqués de toi. Et pourquoi tu te laisses faire? Tu dois apprendre à te défendre. De toute façon, on valide pas la peine. Ah, mais si, il n'en valait pas la peine. T'es la petite fille à ta maman? Mais fais-toi respecter, bon sang. Réclame ce qui est à toi. Tu peux pas laisser. Et toi mais tu sais... Et tes collègues? Ils te respectent? Tina! Tina! Je suis désolé. Tu as raison. Faut qu'on apprenne à se faire respecter tous les deux et... Je sais comment faire. Je tiens ce matin et je viens pour m'inscrire en fait. Ah, vous venez pour une inscription, vous voulez un contrat d'inscription. Ok, je vais faire ça. Merci. Tu viens foutre ici? Doucement, calme. T'es un guetteur ou quoi? Calme-toi. Vas-y. J'ai un truc pour toi. Tiens. Tiens, je te dis. Quoi ça? Pile-moi ça. Ça, c'est ton avenir, mon pote.